ici déjà pour venir avec mon frère parce qu'il travaille dans l'aéronautique. Et aussi parce que je voulais voir s'il y avait des métiers qui pouvaient m'intéresser, des choses comme ça, parce que je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Et pourquoi pas travailler dans la communication, dans le commerce, dans l'aéronautique, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. J'ai deux bacs. J'ai un bac dans l'électricité et un autre dans la maintenance que j'ai fait en alternance. Et donc voilà, je suis venu ici pour chercher un métier ou découvrir un métier. Je cherche un stage en câblage filaire, aéronautique précisément. J'ai eu une première partie de carrière dans le commerce et là aujourd'hui effectivement je m'oriente sur un métier manuel. Je suis venu ici par le biais des réseaux sociaux d'une part et par le biais d'un centre de formation. Par le biais duquel j'ai appris qu'il y avait effectivement le salon Synergie qui est organisé aujourd'hui. C'est un ami à moi qui est Airbus et qui m'a conseillé d'aller à ce salon parce qu'il m'a dit que c'était avec l'aéronautique et pour voir des métiers. La raison pour laquelle je me suis tourné vers l'aéronautique, c'est d'une part, effectivement, j'ai baigné tout jeune dedans puisque effectivement j'avais de la famille qui était elle-même dans l'aéronautique. Et d'autre part, c'est un secteur de pointe. C'est un secteur aussi porteur, reconnu à l'échelle internationale. Je fais des choses comme ça avec ma mère à la maison. Je fais les colis, je fais plein de choses comme ça, toute seule à la maison. C'est pour ça que j'étais peut-être la monteuse câbleuse. Ça va, ça marche avec... On a fait deux, trois stands et oui, ils sont très accueillants. Ils répondent à vos questions, à nos attentes. C'est très bien. Ça s'est bien passé, c'est bien organisé, bien faire. Quand je suis arrivé, je ne suis pas perdu, j'ai trouvé les stands bien arrivés. J'ai posé 3 candidatures pour le moment, donc pour l'instant, les gens, j'ai un contact agréable effectivement avec les recruteurs. Et ça se passe très bien.